Bonne nouvelle. Le Marcus est libéré, ainsi que les deux collègues filles. Voilà. Ils vont sortir. Bonne nouvelle. Voilà. Alassane Ouattara, il va faire que la diarrhée ce soir. Diarrhée totale. Alassane Ouattara, il va faire que la diarrhée ce soir. Et Nicolas Sarkozy, il va faire que la diarrhée ce soir. Voilà. Voilà. On ne gagne pas avec les guerriers. On ne gagne pas. Vive les guerriers. Regardez. Voilà. Regardez. Tout le monde sont là pour nos parents. Ils sont sortis. On a récupéré voilà. 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 Du tribunal. Bon, ben, tout s'est bien passé. Et puis, vous savez que les couloirs, bon, il y a des interdictions. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont interdits d'aller. Dans les manifs? Non, pas dans les manifs. Ils sont interdits d'aller à Victor Hugo. Ils sont interdits d'aller devant le domicile de Draman Ouattara, donc dans le 16e. Et puis, ils sont interdits de se contacter entre eux. Bon, ça, et puis ils sont interdits également de contacter les victimes. Donc, voilà, nous sommes, en tout cas, ils doivent sortir ce soir. Donc, et puis, l'affaire a été renvoyée. L'affaire a été renvoyée. C'est vous dites que c'est une victoire. C'est une voilà. Victoire. Si l'affaire a été renvoyée, nous serons encore au tribunal ici pour. Et Nicolas Sarkozy, il aura la diarrhée rouge ce soir. Voilà. Et Ouattara, voleur de la France-Afrique, voilà. Il aura la diarrhée ce soir. Voilà. Enfoiré de mer, Ouattara. Nous allons aller donc les attendre. Voilà. Les filmer. Oui, oui. Nous allons les attendre. Donc, ils vont voilà. D'ici dans 2-3 heures. Voilà. Mais nous serons là, nous les attendons, nous allons les filmer. Ça, c'est voilà. Bien dit. Merci beaucoup. Voilà. Et on va continuer. Donc, la France-Afrique a perdu. Voilà. Donc, nous, on est tous là, vous voyez. Tout le monde sera là pour Marcus. Et nos sœurs. Voilà. Voilà, il y a un monde fou, hein. Vous avez vu, hein, tout le monde sont là. Ils étaient là pour Marcus et pour les deux sœurs. Un monde fou, vous voyez. Un grand monde fou. Vous voyez, hein. Tout ça pour Marcus et les deux sœurs. Donc, on ne peut pas être là pour des voleurs. Et déjà, Marcus, il ne travaille pas pour Total. Total vole le pétrole chez moi au Congo-Brazzaville. Et il tue. Total vole le pétrole au Gabon. Et il tue. Total vol au Cameroun, il tue, il y en a marre. Voilà. Donc on va gagner. Voilà. Total et Areva, tous les voleurs. Voilà. Vive la libération de l'Afrique. L'Afrique un jour sera libérée. Voilà. Vive l'Afrique. Voilà. Voilà. Chante. Voilà. Voilà. Voyez, hein. Voilà. Ils ont tout bloqué, maître.
Voilà. Donc moi j'ai un message à passer. Emmanuel Macron, la France-Afrique, on finira avec. On finira avec. Parce que la France vole trop en Afrique. Et 85% d'argent de l'Afrique déposé dans les comptes courants en France. Et c'est avec ça qu'ils construisent partout. Il y en a marre. Il y en a marre. Il faut déjà mettre le blouson. Donnez-moi un instant, je mets le blouson. Parce que dehors, il caille. Donnez-moi un instant, je mets mon blouson. Dehors, il fait froid. Je mets le blouson ici. Dehors, il fait froid. C'est pour elle, les chats. C'est pour la dame. C'est pour la dame, elle avait ça tout à l'heure. Mais quand ils sortent... Voilà. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc là, on sort du tribunal de la France-Afrique. Voilà. Tribunal de la France-Afrique. Oui, oui. Voilà. Voilà. Vous voyez? Toute la Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique est là. Regardez là-haut comment se foutent de vos yeux. Regardez là-haut. Oui, oui, mais laisse-les. Oui. Mais c'est des camps. C'est des camps. C'est des camps. Voilà! Bagbo, président! 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 Bagbo! Président! Bagbo! Président! Bagbo! Président! Bagbo! Président! 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 Président, 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 président. Ouattara, quel est cet effet de voir les soldats? Les soldats de la diaspora. C'est la photo de la France.
Nous sommes tous devant le tribunal. Les collègues vont sortir. Vive la victoire! Voilà. Donc nous sommes toujours devant le tribunal. Les collègues vont sortir de la prison de Babylone. Voilà. Bagbo, président! Bagbo, président! Bagbo, président! Bagbo, président! Bagbo, président! Bagbo, président! Depuis 10 heures, on est là. Ah, on est fatigué, hein. Ah ouais. Mais ils vont sortir par là tout à l'heure. La France, ils tuent en Afrique. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et ils voulaient condamner les collègues. Et ils n'ont rien fait.
Ah, c'est méchant. Tiens un peu. Attends. Je vais chercher un peu un truc. Attends, là tu n'as pas de poche. Non. Pourquoi tu n'as pas pris un truc avec des poches? Où est-ce que tu peux mettre des trucs? Attends, je vais chercher. C'est donc le 27 mars, hein. C'est le 27 mars que l'affaire doit être jugée, hein. Ça a été renvoyé. Alors moi je précise bien ici, dans ce direct, qu'il y a eu des conditions. Hein. On leur a dit que les trois ne devraient pas se contacter, hein, n'est-ce pas? Qu'ils ne devraient pas aller dans le 16e, donc au domicile de Dramane Ouattara, hein, et à l'avenue Victor Hugo, hein, n'est-ce pas? Et ils n'avaient pas aussi, ils doivent pointer, n'est-ce pas? Ils doivent pointer, ils doivent être toujours, c'est un pointage hebdomadaire, n'est-ce pas? Donc voilà tout ce qu'il faut pour qu'ils ne puissent plus, on puisse plus contrecarrer Dramane Ouattara. Mais toujours est-il que nous allons gagner parce que ce que les trois prévenus ont fait, c'est de façon symbolique dire à Dramane Ouattara que les valises, n'est-ce pas, les valises de la Centrafrique ne sont plus possibles en France. Voilà. Donc, s'il fallait faire des actions individuelles, nous devions les faire parce que ce soit des actions contre la France-Afrique, des actions contre le franc CFA, et n'oublions pas, il y a les accords de défense également. Donc, les actions contre les accords de défense. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, c'est une première action déjà qui a réussi, même s'ils seront jugés le 27 mars, mais c'est une victoire. C'est une victoire. Parce que les actions, si elles sont individuelles comme ça, eh bien, ça fera penser que Dramane Ouattara doit comprendre que les Ivoiriens ne veulent plus que l'argent du contribuable ivoirien, hein, vienne ici en France. Hein. Nous devons éviter cela. C'est pour ça que nos compatriotes qui ont fait ce geste, hein, de la valise, c'est pourquoi nous devons dire que cette action-là est louable. Cette action est louable. Voyez comment les Ivoiriens sont solidaires. Nous sommes restés là, nous sommes là, n'est-ce pas? Oui. Toujours. Voilà, nous sommes là. Donc, non mais attends, c'est moi que tu filmes. C'est important. Donc là, nous avons un message à passer. Hein? Mais mets bien, comme ça tu... On a un message à passer. Donc ici, ici nous avons Général de Gaulle. Tout dictateur désormais qui viendra en France. Général de Gaulle, le psychopathe, le mythomane, le plus grand voleur. Général de Gaulle avait copié le franc CFA à partir de la monnaie dite claire.
Hitler, quand il a occupé la France et le reste de l'Europe, Général de Gaulle a inventé le franc CFA, une monnaie qui a détruit toute l'Afrique. Une sorte d'arnaque. Et qui dit Général de Gaulle dit son frère Hitler. Qui dit Général de Gaulle dit Hitler. Toute la souffrance que les Noirs sont en train de subir dans le monde, c'est par rapport au Général de Gaulle. Il est mort depuis, hein. Mais tous ceux qui rentrent à l'Élysée, faut que suivent la politique de Général de Gaulle. Une politique pour détruire l'Afrique. Une politique pour que les Africains soient toujours des esclaves. L'Afrique va mal. Voilà ce qu'on fait en Afrique aux femmes. On les découpe comme des steaks pour avoir toute la technologie, les smartphones, les ordinateurs. Et on tue au Congo, Congo RDC, et Congo Brazzaville chez moi, on tue. Hein? Tintin se trouvait en Afrique. Mais Tintin ne veut pas voir les Noirs. Voilà l'esclavagisme, ce qu'ils ont fait au Congo. Voilà. Hein, ce qu'ils ont fait. Voilà l'autre psychopathe mythomane, Léopold II. Plus de 30 millions de morts au Congo RDC. Il amputait les pieds, un pied et deux bras, à cause de liquide de caoutchouc. Qui dit liquide de caoutchouc, dit les pneus de voiture. Léopold II. Voilà ce qu'on a fait à l'homme noir. L'homme blanc n'a jamais demandé pardon. Voilà. Maintenant, nos enfants en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent les armes. Des enfants pour tuer, c'est ça. Ici, nous avons la technologie, hein. Mais grâce au coltan, grâce au cobalt, grâce au tantal, grâce au coltan, et on tue. On tue. Ici, des enfants en train de prendre les sacs des minéraux, coltan, cobalt, tantal, et ils ne vont pas à l'école. Hein? Et c'est bien dit ici, le cobalt, ils disent more than 15%, 50% viennent du Congo RDC. Et voilà, ce sont des enfants qui travaillent. Même s'ils serrent leur front quand ils passent, police, ils font peur à personne. Alors, les Tintins, Tintins au Congo, mais contre le Congo, chez Tintin, ils ne veulent pas les migrants. Ils refusent les migrants. Ils les refusent en Europe. Hein? Voilà. Il faut travailler les enfants. 7 ans, 8 ans pour le cobalt, le tantal, pour avoir les smartphones, pour avoir les tablettes, pour avoir les ordinateurs, toute la technologie. Le TGV qui fait 2 heures pour arriver à Bordeaux. C'est grâce aux minéraux du Congo RDC. Et on tue au Congo. La France ferme les yeux. La France ferme les yeux. Pays de droits de l'homme. Voilà comment on utilise les enfants. Au Congo. Et voilà comment on tue les femmes et les enfants. Au Congo. Alors, quand la France dit pays de droits de l'homme, qu'ils aillent se faire foutre. C'est un Français qui le dit, Emmanuel Macron. Et tu connais bien qui je suis. L'homme qui n'a peur de rien. Ici, sur le coltan, pillant au Congo, dans les deux Congos, ils volent. Et ce coltan se trouve, même au Gabon, il y a le coltan. Même en Centrafrique. Parce que la France a découvert 38 minéraux en Centrafrique. Mais ils n'ont jamais voulu donner le nom. Il est temps que les Africains se réveillent. Regardez comment on tue les enfants. On les égorge avec des couteaux. Par les Rwandais Tutsi au Congo pour avoir ce minéral, le coltan, le cobalt, le tantal, ils tuent au Congo. Hein? Alors quand la France dit
pays de droits de l'homme qu'ils aillent se faire foutre. C'est pas un pays de droits de l'homme. Pour le pétrole, Total tue. Total se trouve à la défense. Il ne paye pas de taxes. Areva ne paye pas de taxes. Mais ils volent l'uranium en Afrique. Et on veut que les Français payent plus d'impôts. Il y a une mafia. Hein? Les mafieux doivent payer plus d'impôts. Et non les citoyens. La France, le franc CFA. Une monnaie qui a genouillé l'Afrique. Et il y en a marre. Ici, nous avons plusieurs corps au Congo RDC. Des gens qu'on a tués avec des machettes pour avoir les smartphones. Les juges qui jugent dans des tribunaux, ils ont des smartphones, mais avec le sang des Congolais. Avec le sang des Congolais. Il y en a marre. Plus de 30 millions de morts. Silence total. Voilà ce qui se passe au Congo. Et il n'y a pas le temps de faire des cercueils. On met un tissu et on met dans le trou. Voilà, pour avoir ça. Là, c'est chez Apple. Hein. Apple, Apple Store. Les magasins d'Apple. Mais le sang du peuple congolais. Ici, nous avons des enfants, ils ont des téléphones. Hein. C'est bon la technologie. Mais on exploite les enfants de 7 ans, 8 ans, pour travailler dans les mines de cobalt, de coltan, de tantal. Il y en a marre. Donc ici, je veux vous présenter le plus grand voleur de l'Afrique. Vincent Bolloré, le psychopathe génocidaire, criminel. Criminel, avec son compagnon, qui est sa petite copine. Soi-disant président, mais ce n'est pas un président, c'est un petit préfet de la France. Voilà. C'est un chien de la France. Voilà. Donc, ce que l'Afrique est en train de vivre, la souffrance du peuple africain, c'est par rapport à Général de Gaulle. Général de Gaulle. Et toute statuette de Général de Gaulle en Afrique doivent être dynamitées. Il faut qu'on explose ces statuettes en Afrique. Pourquoi on garde des statuettes d'un homme qui a fait hyperment mal à l'Africain? Jusqu'aujourd'hui, on tue en Afrique. Il y en a marre. Il y a des documents ici sur les enfants qu'on exploite. Qu'on exploite en Côte d'Ivoire pour avoir le chocolat chaud et les tablettes hein, de chocolat à croquer. Mais on exploite les enfants. Dans ce sac-là, il y a beaucoup de documents. Hein? Et moi, je suis là pour sensibiliser. Dans les transports, je parle. Hein? Il y en a marre. Je pouvais être avec ma femme et mes enfants. Hein? Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Quand je vois ces blancs qui volent en Afrique, quand je vois qu'ils tuent, je dis non. J'ai le sang français qui coule dans mes veines. Mais tout le temps, je dis à mes grands-parents, qu'est-ce que l'homme noir vous a fait? On peut vous donner les minéraux, mais arrêtez de tuer. En Côte d'Ivoire, contre Nicolas Sarkozy, l'endroit de merde est allé faire le coup d'état pour mettre Alassane Ouattara, qui est un... Burkinabé. Non, avant qu'il passe Burkinabé, c'est d'abord un endroit de merde aussi. Alassane Ouattara, c'est un endroit de merde. Donc, ils ont tué des Ivoiriens à main nue. À main nue, il n'y avait pas d'armes. Et là, on ne parle pas de droits de l'homme. Mais la France se dit pays de droits de l'homme. Et ils vont tuer en Afrique. Et ils emprisonnent des gens qui ont voulu ouvrir les valises pour montrer l'argent que Alassane est venu donner à Macron. Macron. Macron, le copain de Benalla. Benalla, sa petite copine de merde. C'est pas pour rien. La fête de la musique. Macron a invité des PD pour danser à l'Elysée. Tu n'as jamais vu. Même Mitterrand n'a jamais invité des PD là-bas. Enfoiré de merde. Donc moi j'ai un message à passer. L'Afrique va se libérer. Amen. L'Afrique va se libérer. Amen. Et la libération de l'Afrique ne viendra pas de nos enfants, mais de nous. De nous. De nous. Nous
avons impérativement le droit de finir avec la France-Afrique. Les Africains doivent prendre le franc CFA en Afrique et brûler cette monnaie. C'est du papier. C'est du papier de toilette. Brûlez le franc CFA en Afrique. Ne payez plus à manger avec cette monnaie. C'est une monnaie de singe pour appauvrir l'Afrique. Et le message était clair. Maintenant, vous, les services de renseignement, si vous avez envie de venir me voir, venez me voir, on va bien parler. Ils sont foirés de merde. Merci. 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 Voilà, donc c'était activiste Georges Passy, le camarade Georges Passy. Ah, ouais, lui il cogne, hein, lui c'est pas de la blague. Hein, lui, il est encore plus radical que moi. C'est l'activiste qui vient nous parler. Donc voilà, c'était l'activiste Georges Passy, donc voilà. Donc on est toujours là et on continuera la lutte. Repose-toi un peu. Tu es fatigué. Calme-toi. Et donc j'advise encore une fois Nathalie Vigourou. Je l'advise encore une fois. J'avertis encore une dernière fois. Non, pas une dernière fois parce que je vais continuer. Nathalie Vigourou, patronne de Canal Plus. Et PD de Marine qui exploite les enfants. Si vous ne quittez pas, on va vous chasser. Vous allez rentrer à la nage en France. Si vous ne quittez pas, vous allez rentrer en France à la nage. Nathalie Vigourou, on sait que c'est toi qui as fait interdire le reportage d'Élise Lucet en Côte d'Ivoire sur l'exploitation de cacao. Parce que tu ne voulais pas que les Ivoiriens découvrent comment les enfants ivoiriens sont exploités par ton propre mari. Mais sache-le que c'est terminé. Sache-le que c'est terminé. Madame Nathalie Vigourou, sache que c'est terminé. On a ta tête, on a tes photos. Et sache-le que le jour où la Côte d'Ivoire sera libérée, tu seras la première à rentrer chez toi à la nage. Si t'as de la chance, on te laisse une pirogue pour rentrer chez toi. Sinon, ça sera à la nage. On ne te laissera plus. Non, il y en a marre. Mais ton mari là, ton PD de mari là, le chien là, le grassouillet là, son gros ventre là, qui est là-bas, il exploite des enfants, il s'enrichit sur le dos des enfants. Les enfants ivoiriens, les enfants burkinabés aussi. Les enfants burkinabés ne savent même pas 5 plus 5, ça fait combien? Ils ne savent même pas que 5 plus 5, ça fait qu'à la 10. On ne les envoie pas à l'école, on les envoie dans des champs de cacao. Et vous, vous vous enrichissez. Et vous croyez qu'on va vous laisser ça comme ça? Non, ils font trop de mal. C'est terminé. Désormais, on va s'occuper de vous. Et vous regardez. Et regardez comment ils ont envoyé les agents. Et pourtant, il n'y a rien là. Et sachez que le processus de libération de la Côte d'Ivoire a commencé, même aujourd'hui même. Vous savez comment ça va, mais aujourd'hui officiellement. Comme là, en tout cas, ils ont envoyé des CRS pour nous évacuer. Parce que nous attendons les patriotes. Vous avez vu que. On va rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que lors de la délibération, le président du tribunal a dit, il a parlé de fin de compte. Il dit que ça ne changerait pas la décision parce que nous sommes nombreux. Le fait d'être nombreux ne changera pas la décision. Mmh. Mais ça va changer la décision parce que le 27 mars. Ah, le procureur a dit ça. Non, le président du tribunal. Ah, il a dit ça. Il a dit que ce n'est pas parce que nous sommes nombreux que ça changera la décision. Ah, d'accord. Mais ce qui ne sait pas. Ça va changer la décision parce que le 27 mars, nous serons encore nombreux là. Exactement. Et notre présence va changer la décision. Pas qu'ils nous disent, ouais, c'est parce qu'ils sont nombreux que la solution, le changement, c'est parce que nous sommes nombreux que la solution, la décision va changer. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Oh, oh yo! Et libéré! Bravo libéré! Bravo libéré! Bravo libéré! Bravo libéré! Bravo libéré! Je vais vous dire, 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 je vais v
C'est pas ça. Tu deviens jeune matin. Je suis jeune. À bas la France-Afrique. À bas. À bas la France-Afrique. À bas.
Abat la France-Afrique. 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 Pour nous sauver,
Que tu peux donner pour Marcus et nos deux sœurs libérées? Alors, j'avais commencé à dire que cette action-là, ce geste-là qu'ils ont fait, il est peut-être, cette action est peut-être individuelle, mais ils l'ont fait contre la France-Afrique. Ils ont fait ce geste-là contre le franc CFA. On va avancer en même temps. Alors, c'est un geste louable. Tout Africain qui n'aime pas venez les mamans. Que les présidents africains viennent ici en France pour financer les campagnes des présidents africains devait être fier de ce qui a été fait. Vous savez, nos trois compatriotes ont fait ce geste tout simplement pour dire à Ouattara que les valises d'argent que Ouattara envoie ici en France, ce sont les contribuables du peuple ivoirien. Voilà. Donc, nous louons ce geste. Voilà. Merci bien. C'est bien dit. On gagne toujours. On gagne, on gagne. Je vais mettre là où. On a gagné. Voilà. Les enfants de Babo volent nous, pas. On gagne toujours. Même pour payer nos avocats. Ah bon. On a fait collecte. Parce que nous, on ne vole pas. On ne vole pas. Hein. On ne vole pas. On est dans la vérité. C'est la solidarité. Voilà, c'est parce bien qu'on dit. Sait que nous sommes dans la vérité. Alors la solidarité prend le dessus. Voilà, c'est bien dit. Nos avocats, ils ont été formidables. Depuis 3 jours, Maître Maoukou n'a pas arrêté de nous dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et on ne s'est pas inquiété. Et la vérité a triomphé. La vérité, nous, nos parents ne sont pas sans papier. Parce que nous, on connaît les lois. Quand on arrive dans un pays, on connaît les lois du pays et on les respecte. Ce n'est pas l'anarchie que Draman fait régner en Côte d'Ivoire avec ses incultes. Ça, c'est bien dit. Ingeta. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? On va prendre le métro. Voilà. Donc, ils étaient libérés et nous, on va rentrer maintenant. Voilà, on est fatigué. Hein. Voilà, très fatigué. On est très fatigué, mais c'est comme ça. Voilà, Dieu est grand. Voilà. Donc, on va rentrer. J'ai déjà ma boisson.
Merci. Vous avez vu, quand on est dans la vérité, c'est partout. Aussi bien dans le petit tribunal que dans le plus grand du monde. On a tout gagné. On a appris à gagner. Nous avons marché toujours droit dans la justice, dans la vérité. Et comme la justice et la vérité vient de Dieu, il finit toujours par remporter et par prendre le dessus. Aujourd'hui, je dis merci à tous, à tous les résistants, aux panafricanistes, aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, merci à tous. Nous avons gagné. Merci. Bon. Merci beaucoup. Je vais te parler. Merci. Voilà. Attends, je t'appelle, je t'appelle. Dis-moi, toi tu prends le métro ou le tram? Moi je prends le métro, moi. Moi, là tu as quelle heure? Là il est 20h42. Donc, moi je dois. On se dit à la prochaine. Ok, on ensemble. Bonsoir. On ensemble. Afrique Commando. Voilà, donc les collègues ont été libérés. Les collègues, ils étaient libérés. Hein. Marcus libéré et les deux filles libérées. Donc depuis 10 heures, on est au tribunal. Depuis 10 heures, on les a libérés. Voilà le message. Donc la France-Afrique, on finira avec. Voilà, le message était clair. Voilà, donc vous étiez en direct avec le chien. Donc à bientôt. Bye bye.